connaît facilement. Ils ont à peu près 17 ans. Ils se promènent lentement avec un air bêtement content. Premier voyage avec des amis en Euroline, bus de nuit. Ils arrivent un peu surpris de se retrouver sous la pluie, tout excités de le visiter. Mais arrivé au fameux quartier, ils rigolent un peu gênés devant les femmes désintéressées. Parler anglais, c'est pas facile. Des gens de l'auberge éclatent rire quand ils commentent la merde. Ils ont pas compris que c'est pas des clean shit, c'est des clean sheets. Et quand ils voient un policier de loin, vite ils cachent leur joie inconsciemment. Ils oublient où ils sont de temps en temps. Les Français à Amsterdam. Ils débarquent avec plein de projets par la maison d'Anne Frank et le Van Gogh Musée. Après quelques jours, tout est oublié au coffee shop du coin. Ils restent coincés, ils voient des couleurs et des oiseaux exotiques, des maisons bougées et des arbres magiques, des vélos volés et des canons infinis. Mais tout est joli quand on est sous champi. Ils achètent joli bois pour ranger leur équipement, des machines à mixer et de petites pipes en bois. Ils en profitent qu'un petit moment dans le prochain coffee et les oublient en sortant. Un peu déçus, ils rendent leur vélo loué. C'était une bonne idée, mais c'est pas trop marché. Ils concluent après s'être retrouvés sur le toit d'une voiture garée. Puis ils louent le pédalo, c'est plus sécurisant. Faire le vélo dans l'eau, ça va plus lentement. Dans les canaux, ils se baladent contents. Les Français à Amsterdam. Et les Français à Amsterdam. Et vous êtes les bienvenus, qu'on se comprenne. Mais cette situation, mettons toujours autant, faut traverser les frontières pour pouvoir consommer une herbe qui en plus considérée comme un médicament. Que soyons honnêtes, décriminaliser, c'est pas une solution, c'est de la mauvaise volonté de business des états. Des pays entiers profitent trop du prix haut grâce à l'illégalité. Et les prisons se remplissent de petits trafiquants qui pour un peu d'argent sont prêts à risquer leur vie. Ce sont les victimes du système avec ceux qui tombent malades à cause de mélanges pourris. C'est quand on fera le vrai danger des drogues illégales et qu'on arrête de prendre les gens pour des cons. C'est pas le consommateur que l'on protège, mais c'est justement les intérêts des barons. J'attends le jour avec impatience que le monde se soigne réellement, que chez moi il y ait d'autres choses d'intéressantes pour les Français à Amsterdam. Et les Français à Amsterdam. Français à Amsterdam.